L'homme qui a jeté son camion dans la foule est un terroriste sans doute lié à l'islamisme radical d'une manière ou d'une autre, affirmait déjà Manuel Valls hier soir, tandis que son ministre de l'Intérieur rappelait surtout sur TF1 qu'on ne savait rien. Le putsch d'une partie de l'armée qui a fait 265 morts au moins est terminé. Le régime de Recep Tayyip Erdogan a repris le contrôle. Mais ce qu'on peut craindre maintenant, c'est...